Donc, Anne-Marie Comeau, tu viens de Saint-Ferréol-les-Neiges, tu pratiques le ski de fond. Dis-moi, bon, c'est quoi qui te manque le plus quand tu t'entraînes longtemps à l'extérieur de la province ou du pays? Dans le fond, c'est sûr, quand je pars longtemps, mon chez-moi me manque, puis aussi tout mon entourage, autant ma famille, mes parents, mes frères, mon copain. Donc, puis même mes entraîneurs, ils peuvent me manquer aussi souvent, dans le fond, quand je pars. Donc, puis aussi être chez moi, puis faire ma petite routine, c'est sûr que ça me manque. Mais c'est un sacrifice à faire quand on part, puis quand on fait du sport de haut niveau. Puis bon, si tu devais te décrire en trois mots, ce serait quoi? Je dirais que je suis sportive, je suis déterminée aussi, puis super souriante, puis j'aime ça avoir du fun. Vous êtes des athlètes de haut niveau qui devez quand même être sérieux. Vous devez, j'imagine, faire attention à ce que vous mangez, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu peux pas résister? J'ai de la misère à résister au chocolat. Donc, mon entourage mange du chocolat, j'ai pas le choix d'en manger parce que c'est quand même un plaisir que j'aime. Puis sinon, pour terminer, la chose que tu détestes le plus faire à l'entraînement, qui est le plus difficile? Qu'est-ce qui est plus difficile? J'ai eu beaucoup de chutes en ski à roulettes dans mon jeune temps. Donc, faire des grosses descentes, vite, 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 il faut réussir à le faire en ski, mais je trouve pas ça évident, puis j'ai peur, puis j'aime pas ça. Dernière question, c'est qui ton idole? mon, Pourquoi? mon idole, c'est Marie-Hélène Prémont, à cause que c'est une fille de vélo de montagne, et son attitude positive, sa détermination aussi, puis même si une course va mal, elle va forcée jusqu'à la fin, là, elle n'en fait plus, mais avant, je trouvais ça super impressionnant de la voir au Mont-Saint-Anne faire des courses de vélo, aussi comme se faire souffrir à toutes les pendant 1 heure et demie. Donc, je trouvais ça super impressionnant en tant que jeune fille. Merci beaucoup, Marie. Fait plaisir. C'est beau.